J'ai vu beaucoup de gens mourir à cause du paludisme. J'ai été motivée, je dis, il faut que je fasse partie du préventif. Il faut faire un pas en avant. Les autres vont rester là-bas à l'hôpital, mais moi, je m'engage pour faire le préventif. Comme ça, on diminue le nombre des cas de paludisme. Je suis à la Casa Janine, je suis superviseur des activités de la pulvérisation intra-domiciliaire. On va continuer avec les sous-collines, là où on était hier. Allez, vas-y, courage et bon travail. Sur le plan mondial, le paludisme constitue un problème majeur de santé publique. Comme tous les autres pays subsahariens, le Burundi n'est pas épargné du paludisme. Le paludisme constitue la première cause de morbidité chez les enfants et aussi la première cause de mortalité aussi chez les enfants. Parce que les enfants constituent le groupe de populations vulnérables, comme les femmes enceintes, comme les autres populations qui n'ont pas accès aux soins. La pulvérisation intra-domiciliaire, en abréviation qu'on appelle la PID, c'est l'application d'un insecticide à longue rémanence à l'intérieur d'une maison. La PID, ça diminue énormément les cas de palu. Donc tout l'argent qu'ils utilisaient avant pour se faire soigner à l'hôpital, il va l'utiliser pour se développer, il va l'utiliser pour se nourrir. On est 662 personnes sur terrain. Pour les équipes de la pulvérisation, il y a 78 équipes, 486 aspergeurs. Il y a la population qui nous suit et nous dit « Venez pulvériser chez nous, on a besoin de vous. » On veut plus le palu chez nous. Vraiment, c'est quelque chose d'encourageant et j'aime beaucoup ça.